Madame Savouret, vous avez quel âge? Bienvenue. 27, 28. Je sais plus, 90? En plus. Ouais, il me semble bien. Hein. 93? Plus. 15? Non. 14? 94 ans. Non. Voilà, une petite jeune. Oh, c'est la petite, c'est la jeunette. Je suis la gamine de l'établissement. Je vais avoir 81 ans, tiens, demain. C'est vrai? Vraiment, bon anniversaire. À la limite du Gémeaux et du cancer. Ouais, je suis cancer, moi. Voilà. Pour ça qu'on s'entend bien, on est limite. Borderline, comme on dit, en langage moderne, borderline. Et vous alors, de quel mois? Moi, je suis de janvier, je suis Capricorne. Ascendant Capricorne. Ah, je suis une belle 2000. Bélier, par contre. Ouh, bélier. Ok. Pas mal. Ils sont très gentils, les béliers. J'ai ma fille qui est bélier. Ah, oui. Regardez, on est mal. Évidemment. Alors, je vais rappeler les consignes. On parle bien devant les micros. On ne tape pas sur la table. On ne touche pas au micro. Attention, attention. Et on ne joue pas avec les feuilles. Que je pas faut pas bouger trop la feuille. Il parle pas, hein. Faut pas trop bouger la feuille, parce que ça fait... Faut la mettre devant, oui. J'ai entendu. Ouais. J'ai appris que j'ai pas trop de bruit. Oui, mais quand on va bouger le micro, ça va faire bouger la feuille. Et oui, comment on va faire pour... C'est comment votre prénom, excusez-moi? Janine. Janine, Mimi et... Suzanne. Et Suzanne. Mais comment faut que je fasse alors là? Faites rien. Vous arrivez à lire? Oui. Bon, c'est quand même sympa, encore une fois. Mais ils vont couper quand on va bouger le micro. Ne vous inquiétez pas, il y aura peut-être des... Tu vas couper quand on va bouger le micro? Ah oui. Ah bon, ben explique. Mais voilà. Mais ils nous laissent dans les fesses là, Tu crois qu'elles ont l'habitude? Et même nous. Hein. On n'est pas des pros, hein. Par contre, vous, chapeau, je vais okay, dire, c'est bon. Avant de parler. Chut, je veux dire, prêt. Mais après, il ne faut pas que je le dise. Mais si, bien mais sûr. Si, vous dites tout ce que vous voulez. Alors, il faut dire OPA, c'est super, je suis fan. Oui, non, je j'espère que je pourrai avoir un t-shirt. Ah, ça, d'accord. Attention. Oui. Ça commande des t-shirts. Les gars, c'est pas tombé dans l'oreille. Ouais. Voilà. Je suis génial. On n'a pas avec toi. Ok. Donne ton t-shirt. Elle s'installe. C'était pénible, hein. Non, ouais, c'est bon, c'est bon. Mais vous avez raison. Attends. Le temps qu'il faut. Je me défends. Hein. Oui, vous avez. Hein. Et pour mieux. Hein. Allez, 1, 2, 3. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Mimi. Je suis Madame Jourde. J'habite le Bois Grandmont depuis 6 ans. Je peux vous poser quelques questions? Oui. Voilà. Depuis quand existe votre groupe OPA, s'il vous plaît? Alors OPA, ça existe depuis 1998. Ah quand même. Eh oui, on aura bientôt 20 ans, donc ça fait pas mal de temps qu'on est sur la place. En effet, c'est fabuleux. Merci beaucoup. Comment vous êtes-vous rencontrés? Ah, à vous. Il faut réfléchir pour s'en rappeler. Ouais. Alors moi, je m'en souviens très bien, donc du coup, c'est encore moi qui vais répondre. Je m'en souviens bien parce que, donc, comme je vous expliquais au début du concert, on fait de l'improvisation, on ne répète jamais. Et OPA, c'est pas que ces trois musiciens, il y a beaucoup, beaucoup de musiciens dans OPA qui jouent les uns avec les autres et qui souvent me proposent de jouer avec d'autres musiciens. Et c'est un musicien d'OPA qui s'appelle Antoine, qui est bassiste, qui m'a dit « J'ai une très bonne amie qui fait du violon, elle s'appelle Solène, est-ce que ça te dit de la rencontrer ?» On avait un concert qui était prévu sur la place Saint-Michel à l'époque. Ah, j'ai dit, ben pourquoi pas, une violoniste, c'est sympa, ça fait un son différent. Et au début, on avait prévu de faire le concert que toutes les deux. Et comme c'était la première fois que Solène jouait avec moi, qu'on se connaissait absolument pas, elle m'a dit, ah ben moi j'ai un copain, il fait de la guitare, est-ce que ça te dit que je l'amène? J'ai dit, ben pourquoi pas, c'est toujours mieux trois que deux. Et c'est comme ça qu'elle a ramené le grand échalas qui est à côté de moi, Xavier, et qu'on a fait notre tout premier concert, je pense qu'il y a 3 ans maintenant, sur la place Saint-Michel pour Réseau Éducation Sans Frontières. Très bonne rencontre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, moi personnellement, j'avais eu un grand chagrin d'amour, j'étais parti de ma maison. Oh là là, et Solène m'avait hébergé, et puis pour me secouer, pour me dire tu vas pas rester dans ton salon à pleurer, elle m'a dit viens, on va faire de la musique. Ça c'est bien. Et je me suis senti avec ma guitare, j'ai rencontré Myriam comme ça. Ça vous a bien réussi. C'est très bien, c'est un. Mais oui, justement, vous venez de me répondre à ma question depuis quand vous pouvez. Vous pratiquez la guitare, tout ça. Vous venez de me le dire maintenant. Bien avant.
Mais merci beaucoup, je vous passe. On n'a pas répondu à votre question, Mimi. Parce que si votre question, c'est depuis quand vous faites de la guitare, oui, ou de la musique, les deux que vous voyez là, c'est des professionnels quand même. Ça fait très longtemps qu'ils font de la musique. Alors vous, expliquez votre parcours, depuis quand vous jouez? Depuis quand? Vas-y, c'est là, chantez. Alors, moi, j'ai appris le violon à partir de 9 ans. Donc j'ai appris le violon, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont proposé d'apprendre le violon. Enfin, qui m'ont permis en tout cas. Donc voilà, entre mes 9 ans et mes 20 ans. Justement, j'allais vous demander si vous étiez d'accord avec vos parents, si c'était que vous avez poussé un peu. Non, c'est pas une... Ben, quand j'étais jeune, c'est aussi avec l'aide de mes parents. Et puis après, quand je suis devenue adulte, c'est moi qui ai décidé toute seule d'essayer de vivre de la musique. Oui. Et voilà. Et là, ça fait 5 ans que je vis de la musique. D'accord. Et la guitare? Alors, vous avez commencé comment? Moi, la guitare, j'ai commencé tout seul chez moi. Là, c'est particulier. Moi, j'ai commencé au violoncelle à 7 ans. Ma maman est professeure de musique. Elle voulait faire du violoncelle, elle. Donc, comme elle ne pouvait pas en faire, elle m'a mis à faire du violoncelle. Et après, j'avais toujours une guitare à la maison. J'ai toujours joué de la guitare. J'ai jamais pris de cours, vraiment. Et je joue de plusieurs instruments. J'ai toujours fait de la musique, en fait, depuis tout petit. Et après, vous vous êtes rencontrés avec eux? Et après, on s'est rencontrés parce que, donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, et on est d'accord sur le discours qui est dégagé, je pense, en fait, que ce que raconte Myriam, nous, les musiciens, ça nous intéresse de le porter, en fait, en musique. Merci. Alors, vous, la chanteuse, quoi? Moi, j'ai commencé à écrire, j'avais 7 ans, en CP, dès que j'ai eu un petit stylo dans les mains, alors que je suis quelqu'un qui parlait très très tard, j'ai parlé qu'à 5 ans, alors je me suis bien rattrapée, oui, ça vous voyez, bien. Voilà. Mais j'ai commencé à écrire à 7 ans, de la poésie, avec des rimes et tout ça, j'ai travaillé pendant très longtemps, faire des alexandrins, etc., 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 pendant des années, j'écris toujours, depuis mes 7 ans, j'ai commencé à écrire et j'ai jamais arrêté, voilà. Bravo pour votre chanson, Les ballons et l'enfant, ça m'a passionné. Alors, merci. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous passe la parole à Madame Tarr. Madame, mon amie. Alors, pourquoi avez-vous choisi ce type de chanson? Alors, ce type de chanson, c'est du concert qu'on a fait aujourd'hui. Alors, il y avait deux envies aujourd'hui quand on est venu vous voir. C'était que je voulais absolument faire des textes, puisque comme on nous a dit, on improvise, donc on ne peut pas refaire la musique comme vous l'avez connue, mais je voulais absolument faire des textes qui, a priori, vous parleraient de votre jeunesse un peu, et qui pour moi sont des textes de qualité de la chanson française, parce que nous on chante en français, et c'est vrai que c'est une langue qui est très belle, et quoi qu'on en dise, qui est tout à fait faite pour chanter. Donc il y avait une partie des textes, la volonté c'était clairement de vous retrouver, de retrouver des souvenirs à travers vous, à travers des textes qu'on connaît tous plus ou moins, et qui nous ont marqués, parce que voilà, Édith Piaf, voilà, c'est immortel. Et puis on avait aussi voilà, la volonté de faire quand même des textes aussi que j'écris, donc tant mieux si ça vous a plu aussi. Voilà, c'était les deux axes aujourd'hui, c'était nos souvenirs communs et un peu de nouveauté. Est-ce que vous avez un autre répertoire? On peut refaire la question, dans le micro. Comment? Ah, pardon. Avez-vous un autre répertoire? Alors moi je joue d'autres styles dans d'autres formations musicales, donc d'autres répertoires, oui. Là ici on est sur un répertoire qui mêle ce qu'on est et de l'improvisation et ce qu'on a l'habitude de jouer. Donc il y a un peu de chanson, un peu de blues, un peu de jazz, un peu de tout. Et moi, et ben finalement à côté, ben oui, je fais aussi un peu de jazz, un peu de chanson, un peu de rock. Et un peu de musique classique aussi, parce que le violon, c'est quand même un instrument où il y a beaucoup d'écriture classique pour cet instrument. Avez-vous l'habitude de faire des concerts dans les maisons de retraite? On peut la refaire. Dans le micro. Comment? Dans le micro. Dans le micro. Si on le répond, hein? Ouais. Avez-vous l'habitude de faire des concerts dans les maisons de retraite? Malheureusement, non. Enfin, disons, il faut bien commencer. C'est vrai que pour répondre à ta question tout à l'heure où tu nous demandais si on avait d'autres styles, au PA on joue aussi en formation parfois plus rock'n'roll avec batterie, guitare électrique. Donc là, bon, pour vous c'était un peu difficile. Donc on a volontairement choisi une formation plus appropriée pour le lieu. Et je trouve que c'est vraiment une chouette rencontre qu'on a fait là tous ensemble. C'est pour moi c'est dans la continuité du projet d'OPA.
Au PA, on est un groupe, on aime bien dire qu'on est un groupe de terrain très investi auprès des associations. On fait beaucoup, beaucoup de concerts de soutien pour diverses causes. On est très impliqué dans le paysage culturel et politique. Et jouer pour les anciens, pour moi, c'est tout à fait dans cette logique qui est de créer du lien, de conserver du lien entre les gens, de faire en sorte, vous avez entendu, on a parlé beaucoup d'amour, parce que bon, c'est un peu ce qui manque dans cette société, à mon avis, pour qu'on vive un petit peu mieux ensemble. Donc aller à la source, j'allais dire, chercher cet amour, vous l'apporter, le partager ensemble, pour moi c'est une découverte. Et franchement, j'ai pris mon pied aujourd'hui comme un concert, vous voyez, ce que je veux dire, c'est super. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de revenir ici et de poursuivre peut-être ce... Alors, je ne dis pas qu'on va faire que ça, bien sûr que non, mais en tout cas c'est très très intéressant de venir à vous, parce que de toute façon, on sait que vous ne viendrez pas nous voir. Vous n'allez pas venir dans une salle, dans un bar. Pourquoi pas. Ah, Mimi, elle est motivée. Ben alors, pourquoi pas, d'accord, parce qu'on joue aussi dans des endroits où, malgré tout, c'est écoutable. Donc, on vous dira. Mais venir aussi chez vous, c'est intéressant pour nous. Franchement, c'était une très, très bonne rencontre. On est très contents d'être là. Pour moi, c'est même super important, en fait. Moi, j'ai déjà joué avec mes autres groupes. J'ai déjà joué beaucoup en maison de retraite. Et enfin, même dans tous les endroits, dans les hôpitaux, dans les quartiers, dans... Pour moi, la musique, ça casse plein de barrières, et puis ça, c'est un langage qui permet de communiquer avec beaucoup, beaucoup de gens. Et voilà, c'est une espèce, c'est, je trouve ça important de venir faire de la musique en vrai pour les gens, en fait. C'est toujours mieux que d'écouter à la radio. Où, j'aime bien, même si je suis pas toujours très communicatif, par la musique, on peut communiquer avec les gens, et quels que soient les gens, en fait. Parce que tout le monde écoute de la musique, tout le monde a deux oreilles, et ça crée quelque chose dans le corps, dans le cerveau, de particulier. C'est quelque chose de... C'est à part, moi, pour moi. Donc c'est important. Une question. Oh, avez-vous eu une formation particulière? Ah, toujours dans le micro, mais... Hein, ouais. Hop. Vous voulez donner la parole? Bougez votre feuille. Oh, la pression. C'est à vous de poser la question, ouais. La panique. C'est pas grave. Bonjour, je suis Madame Joussemet et moi aussi, ça fait 6 ans que je suis à la maison de retraite de Bois-Grammont. Puis-je vous poser quelques questions? Avec plaisir, Janine. Où avez-vous l'habitude de vous produire? Nous, on joue partout où on a besoin de nous. Partout où les gens nous appellent, comme je vous expliquais, on fait beaucoup de concerts de soutien. On est dans une époque où les associations n'ont pas trop d'argent, donc ça nous permet de rencontrer beaucoup de gens qui font énormément de choses pour améliorer la société dans laquelle on vit. Donc on n'a pas d'endroit particulier. À Bordeaux, on a quand même des bars avec qui on est très amis, donc on joue assez souvent dans un bar qui s'appelle l'Antidote. C'est un bar associatif où ils font des concerts toute la semaine dans des styles très très différents. Donc on est très amis avec Damien qui gère ce lieu, donc on y va assez souvent. On va aussi dans un autre bar qui s'est ouvert à Bordeaux qui s'appelle l'Inglorious Bar Star, avec qui on va sans doute faire un partenariat l'année prochaine pour y jouer au moins une fois par mois. Ce sont des amis, ce sont des musiciens aussi, donc on joue pas mal dans cet endroit-là sur Bordeaux. Et après, comme je vous ai expliqué, si une association nous contacte en nous disant on aimerait bien faire un concert de soutien, si le projet nous intéresse, si les gens sont effectivement en accord avec les idées qu'on défend de fraternité, d'amour et de partage, on a de bon cœur, on y va. Et vous êtes de la région bordelaise tous? T'as vu ma tête, Janine? oui, moi j'ai passé 20 ans de ma vie dans le Médoc avant de venir à Bordeaux faire mes études. Donc je suis une médocaine, malgré les apparences, mes frisettes et ma peau foncée. J'ai passé 20 ans dans le Médoc. Moi, vous avez dû boire du bon vin? Ah oui, j'ai bu du bon vin. Et toi, Xavier, tu disais quoi? Non, je dis que j'ai grandi à Blanquefort, juste à côté. Moi, je suis née à Bordeaux. Je suis toujours restée à Bordeaux. Et vous, mademoiselle? Et moi, mon papa il est de Bordeaux, ma maman est bretonne. Moi, je suis sur Bordeaux depuis 20 ans. C'est une très bonne association, la Bretagne et la Gironde. Est-ce que vous vous déplacez dans d'autres régions? Oui. Oui, quand on nous appelle, peu importe d'où on nous appelle, si on peut y aller, on y va.
pas, moi j'ai joué dans toute la France et toute l'Europe, alors pas forcément avec OPA, mais j'ai joué à des centaines d'endroits différents. Tant qu'à faire, quitte à être musicien pauvre, autant voyager, je veux dire. C'est bien, c'est plutôt intéressant. Le pays le plus loin où on a été avec OPA, on a été joué jusqu'en Tunisie. Ça fait maintenant 2 ans qu'on a un partenariat avec une association en Tunisie qui travaille sur tout ce qui est logiciel libre pour les ordinateurs. Et comme nous, on fait de la musique libre, c'est-à-dire sous copyleft, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait est librement téléchargeable sur Internet pour les gens qui ont Internet. Ils peuvent aller sur notre site Internet. Tous les textes, toutes les musiques, c'est gratuit pour les gens. Cette association en Tunisie travaille elle aussi sur ce qu'on appelle les logiciels libres pour les ordinateurs, c'est-à-dire des logiciels qui sont gratuits et qui permettent à tout le monde de pouvoir installer sur son ordinateur ce qui permet de faire fonctionner l'ordinateur. Donc ils nous ont contactés parce qu'ils organisaient un festival autour des logiciels libres et notre démarche de musique aussi gratuite sur Internet les a intéressés. Donc on est allé en Tunisie et maintenant moi j'y vais au moins 1 à 2 fois par an, puisqu'on a un vrai partenariat avec eux, on les suit, c'est des associations citoyennes, vous savez qu'il y a eu la révolution en Tunisie, donc c'est de bon cœur qu'on va aller jouer, même dans des endroits où vous n'avez pas vu de Français depuis 20 ans. On est allé vraiment jouer dans la campagne tunisienne, dans le fin fond de la Tunisie, là où il y a eu le tout départ de la révolution tunisienne. Donc c'est très très émouvant quand on se retrouve face à un public francophone mais étranger, dans un pays où, même s'il nous ressemble, il y a quand même des choses effectivement différentes. L'hospitalité des pays du Maghreb, pour l'avoir vécu, c'est vrai que c'est assez impressionnant. On a été accueillis comme si on était des rockstars, je sais pas. Donc c'était très très agréable et on y va maintenant au moins 1 fois par an. Bien, je vois, ça doit être formidable de faire une chose que l'on aime, la musique, la chanson, et de pouvoir voyager. Tout à fait. Au nom des résidents de Bois-et-Grandmont, nous vous remercions beaucoup de votre... Ah là là. Au nom des résidents de Bois-Grandmont, nous vous remercions beaucoup de votre prestation et nous vous espérons sincèrement vous revoir bientôt. Voilà. Comptez sur nous, Janine, on reviendra faire du rock. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute et votre gentillesse. Au micro, merci à tous les trois, c'était super. Merci. On va garder un souvenir et vous reviendrez. Vous avez été chef. Très bien. Parfait. Merci. C'est vrai. Vous avez fait 15 minutes. Waouh, 15 minutes, c'est pas mal. Oh mais super, hein. Il n'y a que des femmes, il n'y a pas d'hommes qui voulaient venir poser des questions. Vous savez, on n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup. Je ne veux pas vous faire de la peine, mais ils ne tiennent pas le choc. C'est ce que je pensais tout à l'heure. Quand vous avez dit 94 ans, j'étais là, moi j'y arrive. Oui. Si, on en a un qui parle beaucoup, mais... Il semble bien quand même. Il aurait un peu raconté sa vie, donc. Souvent, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Ouais, ça s'est entretenu. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, c'est vrai. Parce qu'on est plus solide aussi, hein, avec tout ce qu'on endure. Et voilà. Ah, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Les femmes, on est plus costaud. Oui, c'est comme ça. Mais oui, mais les hommes, on n'a pas encore compris pourquoi. Et vous êtes dans le micro. Oh là là. Vous avez la coupé. Oui. Ah non. Les hommes, vas-y. Les hommes n'ont pas encore compris. Que les femmes étaient bien supérieures, tout au moins, disant que nous sommes égales. Oh oui. Comme disait Jean Ferrat, la femme est l'avenir de l'homme. Voilà. C'était un texte d'Aragon, un texte prophétique qui disait que la femme était l'avenir de l'homme. Moi, je reste persuadée qu'il faut effectivement qu'on prenne un peu plus de place. Après, vous avez remarqué aussi que les femmes qui ont du pouvoir, parfois, c'est quand même un peu trop. Hein, c'est pas les plus faciles. Et de plus, ça ne peut pas mourir. Elles ont tendance à vouloir rouler un peu des mécaniques, des fois. Eh bien, nous, on est calme, là. Tranquille. Tranquille, comme on dit à Bordeaux, on est tranquille. Tranquille. C'est tout. Tranquille. Et vous, vous êtes du coin ? Bordelaise. Vous aussi ? Moi, je suis née à Bordeaux et je n'ai jamais quitté Bordeaux. Enfin, si, pour les vacances. Mais t'as pas l'air quand t'es devenue là, je vais la retraite. J'ai vraiment Bordeaux dans le cœur. Ah, mais et surtout tous les environs, et notamment le bassin d'Arcachon. Ouais.
Comme tous les Bordelais. Vous êtes né à Bordeaux? Ah non, pas du tout. Moi, je suis pied noir. Ah oui, d'accord. Je suis né en France en 62. J'habitais à Alger. Ça y est, je suis né en Algérie, du coup. Je suis né en Algérie. D'accord. Vous n'avez pas trop coupé, non? Le changement doit être difficile. Là, c'est ce qu'on a parce que avec nos petits moyens. Mes parents avaient des parents en France et tous les étés. Ah, c'est vrai qu'il nous reste quelque chose. Tiens, je chanterai leur texte la prochaine fois. Ah oui, elles ont écrit une chanson et elles aimeraient bien que tu la chantes. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Moi, j'ai fait ça une fois avec. Vous voyez, si vous écrivez des choses, par exemple, et si on revient faire un concert, c'est avec grand plaisir que je mettrai vos textes dans mon répertoire. Et ça sera en improvisation, comme j'ai fait là. Mais alors, c'est avec grand plaisir, c'est ça que je voulais demander. Parce on en a fait justement sur l'époque que vous avez chantée. Je te les enverrai. Vous avez joué. Ah, ben on oui. On en a fait sur l'avant-guerre. D'accord. Sur le part à la guerre. Il y a aussi des recettes de cuisine. Mais oui, mais tout se chante. Je voulais vous faire le loup et l'agneau, j'ai oublié le texte. En non, non, mais avec grand plaisir, ça c'est. Après, il y en a fait, c'est dame. Mais c'est en vrai. C'est en vrai. Parce qu'après, il y a aussi le fait que non seulement je peux les chanter, bien évidemment, mais vous pouvez aussi venir les dire au micro avec un petit fond sonore. On vous accompagne doucement à la guitare, même si vous parlez. Vous sentez, là, même si vous parlez. Ou si vous vous sentez. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très très intéressant. Moi, ça m'intéresse. Elle parle très bien. Mais vous aussi, vous parlez bien. Mais elle pense qu'elle fait tout de mal. Mais alors, non, c'est pas la peine. Il faut avoir confiance en vous. Mais non, votre âge quand même. Il vient de se dire que c'est très bien. Ben oui, vous avez le mérite. Ça serait bien qu'elle puisse chanter notre chanson. Ah, mais avec grand plaisir. Vous avez un air et déjà de la fête? Ah oui, vraiment, oui. On est un peu dérouté quand la musique n'est pas la même parce qu'on garde plus souvent. L'air, ouais, c'est ça qu'on a qu'un rôle. Voilà, mais si on revient un peu à l'avance, moi vous me donnez votre air et puis je peux le travailler un petit peu avec le musicien. Non, non. Pour faire la surprise. Non, elles n'ont pas l'air, elles ont juste les cris. Ah, vous n'avez pas de musique en parole. Non, que des paroles. D'accord. Ah ben oui, avec grand plaisir, tu m'enverras, Figo. Ah oui, bien sûr, pas de souci. Au contraire même. Vous faites des ateliers d'écriture ici ou... Super. Moi, si je pouvais nous confier en temps des ballons, ça me fait plaisir. On en a fait beaucoup. Ah, mais je vous le ferai passer. D'accord, avec plaisir.